salut à tous, c'est Adran. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode je ne sais plus combien, 8 je crois, de Resident Evil 6. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Kama. Comment ça va? Super, et toi? Ça va, c'est moi, oh Resident c'est Evil drôle, le mec, il est déchaîné. 6 qui t'a venu du rêve. Allez, 8ème partie, donc c'est parti, on était dans la flotte. Oh, un requin! On était où, putain? On était dans la flotte avec un ami, donc on a vu une espèce de créature bizarre. C'est un lantern! J'espère que vous allez bien, hein. On espère que vous allez bien d'ailleurs. C'est un Pokémon, c'est un lantern! Non, c'est un Léviathan, comment ça s'appelle déjà? Léviathan? Ah, de l'air! Oui, j'aime l'air! Léviathan? Léviathan. Fresh air! Salut, beau gosse! C'est parti! Ça va, beau gosse? oui! N'empêche, le pauvre Léon, il se fait mener par le bout du nez. Que ce soit par Ada, Elena. Oh, un zombie qui va nous attaquer. What? Oh putain! La conne, lui. Ouais, on peut plus passer. Ah si, à gauche. Et à droite, à gauche. Ça fait flipper, je sais pas. Les dents de la mer. Je pense qu'il ne faut pas foncer dans les zombies. Si, rien à foutre. Ah non, bah d'accord. Je le fais plus. Thanks. No problem, bro. Ouais, on va les éviter, hein. Tant. Oh, on a des points d'habilité, là. On a peut-être manqué un point d'air, en fait. C'est bon, il y en a un juste au-dessus, je crois. Ah non, ce n'est qu'une illusion. Wadran, on va crever. Alors je crois qu'il nous faudrait trouver une zone d'oxygène de manière assez urgente. Vite. Non, il y en a encore un zombie. Putain, là il y en a une. Ah non, c'est la suite. V, viens vite, vite. Pouf. Blouf. Oh putain. Oh non. Et là tu fais. Adran, où t'es? Les dents de la mer. Enculé. Oh putain, on s'est fait bouffer, mec. En plus, il va vite le saligo. Survivre à l'attaque. Je suis dans sa gueule. Espace. Je vois strictement rien. Oh putain, j'ai le QTE. Ben moi j'ai rien du tout, en tout cas. Ah. Là ça doit être à toi. Non. Vous êtes mort. Ouais mais c'était un peu mort. Je suis de brêle pour les QTE, mec. Mec, tu peux pas être pire que moi. Espace plus E, le temps que je capte que c'était espace plus E, il s'est déjà écoulé 3 secondes. Après il faut trouver les touches sur le clavier. Et globalement voilà quoi. Allez. Je garde mes touches sur espace E. Yeah. En plus je suis bien dans sa gueule. Ah je ne le suis plus. Parce que là j'étais mort sinon de toute façon. La musique en plus elle fait super bien dans de la mer, je te ferai remarquer. Ouais, pas faux. Tu sens l'inspiration musicale. Allez à toi Dran. Le spamming. Je harpon. Oh oui. Yeah. Dans ta face l'espèce de gros poisson. Oh un point faible. Le truc bien luminescent, tu sais. Ouh, ça je sais faire par contre. Salut. Tension. Ah ouais, tu veux rusher. Le Léon, il veut y aller dans sa gueule, quoi. Ah putain. Cloc, cloc, clac. T'es mort. Voilà. Léon. Je suis désolé, mais je suis en train de rêver comme je fais. Ça me fait chier de toute façon ces QTE de merde là. C'est la mode des QTE, ça me fait chier, voilà. Je le dis, ça me faisait chier aussi dans Resident Evil 5. Moi ça me fait chier dans tous les jeux de manière, c'est le truc que je déteste le plus dans les jeux. C'est le non-jeu. On te fait croire que tu joues parce que tu spammes une touche, mais en fait. Ouais, genre tu veux regarder une cinématique tranquille, bah non. À notre époque, toujours les mêmes, aucun intérêt. À une époque, ça aurait été une phase de gameplay. Ah oui, merde, c'est à moi.
Genre t'aurais dû avancer en essayant de garder l'équilibre avec l'autre stick. Bon là y'a pas de stick mais... C'est ça ouais. Je suis un point faible, je suis rouge et luminescent, je brille. Oh putain, je sais pas quelle touche tu dois appuyer mais tu la défonces la pauvre. C'est espace ouais. Ah elle s'est pris la fessée la touche là. Elle est déçue. C'est quoi la prochaine touche? J'ai déjà oublié. Putain, allez vas-y Léo, on sauve, il est mal là. Ah je suis dans sa gueule. Ouais je crois que c'est toi là. Tiens. Dans l'autre œil. Tu étais borgne, maintenant tu es aveugle. Bon j'espère que c'est fini. Voilà. Ouh. Oh je crois qu'on est séparés. Elena. T'es dans l'eau. Ah bah non t'es là. Traverser sans vous faire dévorer. Wow. C'est par où? C'est par là hein. Alors, attends, ça par contre ça, je crois que ça requiert un fusil sniper. Ouais. Je pense que si jamais ils viennent dire bonjour, je pense que c'est plus accueillant le sniper. Je flippe. Je flippe. Oh, un symbole bleu. Ah. Elena, tu peux t'occuper de ces barres ? Bah oui, bien sûr. Genre tu peux pas passer là, espèce de gros abruti là. Allez. Je crois que j'ai trouvé. Qu'il fasse au moins des trucs un peu réalistes quoi. Oh c'est comme dans les trucs du Gendral. Oula oula oula. Caméra en bois. C'est parti. Putain la caméra est focus sur le point d'objectif. Je vois rien. Ah Léon. Ouah. Il arrive. Tiens lui dans la gueule. Touché. Ah super. Merci. De rien, je suis là pour ça. What? Je rigole, t'es revenu déjà. Elena, je suis pas en place. Abraham. Ah si, je suis en place. Abraham. Il y a une grosse bête dans sa tête, dans sa bouche d'ailleurs. Oui, mais c'est ça dans ça que je tire parce que ça est luminescent, donc moi ça m'attire l'œil, tu vois, je veux dire. Bah. What? Il est où? Dessous de moi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, ok. Waouh. Touché. Thanks, Adrian. Touché, ma salope. Ah. Fiu. Salut. Ça va? Coucou, merci beaucoup, monsieur. C'était pas trop éprouvant? Hein? C'était pas trop éprouvant? Éprouvant? Merde. Ouais, non, ça va, faut que je t'appuie sur l'espace, quoi. Eh, moi, pas parler français, ah. Bon, allez, go. En avant. Bah ouais, bah vas-y, appuie sur la touche, couillon. Et là, il nous bouffe. Oh, con. Bon, ben, il nous a ouvert la chemin, hein. Il faut voir le bon côté des choses. Waouh. Bien joué. Lulz. Ça serait bien que tu recharges, Elena. Tu ne rechargeras pas, d'accord. Ouais, il veut pas recharger, moi, non plus. Bah, je change d'arme. Ah, c'est peut-être parce que j'ai tout simplement... Ah, je sais. Ah, il faut tirer sur le truc de TNT, peut-être, non. Here. Ça te rappelle pas un certain crocodile? Ouais. Attention, le voilà. Waouh. Putain, j'ai réussi une queue du premier coup. Ah, bah, toi, non. Mais j'ai appuyé. Chacun son tour, hein. J'ai appuyé, putain. Fuck you. Ah là là. Tellement drôle. Tiens. Bon, je recharge. Laissez-moi recharger, s'il vous plaît. Ça sert peut-être à rien de tirer maintenant. On va attendre. Hein. Oh. Il l'a bouffé? Non. Ouais, je sais pas ce qu'il fait avec. Cette fois-ci, je suis arrivé. Ouais, nickel. On est bon. Rentre chez toi. Retourne voir ta mère. Waouh. Elle est où la dynamite? Je vois rien. Tire là. Yes, je l'ai eu. Oh. Non, je suis mort. Je suis désolé. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi avec ces changements d'armes de merde là. Mais j'ai tiré dedans. J'ai une preuve en vidéo. On a surtout une preuve qu'on est des grosses merdes, c'est tout ce qu'on a.
éliminer l'arme biologique. Non, on va rester là. En fait, je crois que ça sert à rien de tirer dedans avant ce moment. Ouais, voilà, faut... Gardons nos balles. Tu vois que si on est des PGM, on arrive à tirer sur... sur le baril pendant qu'il descend. Ouais. Genre la boum, rien. Tu vois. Yeah. C'est bon, j'ai rechargé. La dynamite. Boum. Allez là. Oh, je crois pas qu'il soit mort. Non, à mon avis, il va nous réserver sur la gueule. Surprise, tu vois. C'est un peu le syndrome Resident Evil. Tu crois que je suis mort? Non, j'ai encore 36 formes. Eh ben non, ouais. De retour dans 2 heures. Stérilise le secteur. Et il détruit toutes les preuves. Quelle ordure. Dieu merci, vous êtes vivant. Où est Simmons? Il est parti après vous avoir parlé. Il était pressé. Oh merde. Pour aller où? Il était au téléphone avec quelqu'un quand il est parti. Il avait l'air contrarié. Y a moyen de savoir où il est allé? N'ayez crainte. Je l'ai fait suivre. En ce moment, il est en train de se diriger vers l'aéroport où son jet privé s'apprête à décoller pour la Chine. La Chine? Oui. Voilà, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle attaque bioterroriste. Le BSAA a confirmé qu'il s'agissait du même agent utilisé en Europe de l'Est il y a 6 mois, le virus C. Le virus C... On a vu ce genre de cocon, ici. Il faut qu'on arrête Simmons, c'est qu'on le mette derrière les barreaux. Nous n'avons aucune preuve. Et là, maintenant, vous êtes tout en haut de leur liste de suspects. Non. Écoute, Hannigan, il faut que tu fasses croire qu'on est mort. C'est possible. Quoi? Oui, bien sûr. Mais ils finiront par s'en apercevoir. Vous allez faire quoi? On part pour la Chine. Eh ben, bien. Opération Dragon. Opération Dragon. Yeah. Dragon. Donc ils ont tout fait péter à Drad. Ouais, la bombe nucléaire comme à Raccoon City. Putain, c'est tu ça. Me saoules à me mettre des trucs d'or alors que moi j'ai rien. Non, pourquoi? J'ai fait quoi de spécial? Mais je sais pas, t'as fait plus de trucs que moi. Mais bon, on continue, on est qu'à un quart d'heure, on va pas les laisser là, les pauvres. Ah bah ouais, écoute, hein. Ok. On va continuer, hein. Alors pour une fois, alors, tu laisses juste le temps de regarder un peu ce que j'ai. Oui, promis. Putain, j'ai envie de prendre un Kevlar niveau 2, mec. Moi j'ai pris Arsenal niveau 2. Arsenal. Ah ouais, ça peut être pas mal. Tu l'as mis à la place de quoi, Arsenal? Ah mais non, d'accord, parce que moi j'ai Assassin à la place. Ouais, voilà. Ok. Teusorisation, tu penses que c'est utile? Moi, bon, je pense que c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir autant de trucs. Hein. Ouais, allez. 3, zombie. On va voir ce qu'il y a des trucs en bas. Obtenez plus de carreaux normaux explosifs pour les arbalètes. Ouh, yeah, je veux une arbalète, moi, mec. Je sais pas qui c'est qui l'a, mais mec, rien à foutre, je prends la personne qui l'a. On a, c'est Ada, je pense. Oh, yeah. C'est elle qui l'a manié. Force spéciale niveau 1, augmente la jauge d'endurance de 3 blocs. De quoi? Où ça? Là, bah, dans, y a un truc qui s'appelle Force spéciale niveau 1 au-dessus de thésaurisation, je crois qu'on l'a débloqué. Ah, donc ouais. Si... 70 000. Ah, attends. Mec. Rechargez vos armes plus rapidement. Instinct sauvage. Votre visée des. Ok. Ouais, c'est clair, ça, j'ai vu ça. Augmente grandement votre dernier tir. Putain.
Tu penses qu'on peut augmenter le nombre d'habilités? Faudra qu'on regarde sur l'alternet. Ouais. Donc les gens, ça ne sert à rien de nous le dire, on est bien en avance par rapport à vous. Mais clairement. Je pense qu'on peut faire plusieurs paquets, je sais pas comment ça marche. Bah moi je vais augmenter Kevlar, allez, je me scène dans le Kevlar. Ok. Y'a pas un autre truc pour réduire les dégâts, non? Non, allez, je prends Kevlar. Es-tu prêt? Yeah, il me reste 1000. Moi il me reste 1800. Allez, je suis prêt, c'est reparti. Direction la Chine! Direction la Chine, est-ce qu'on va changer de campagne ou pas? Je pense pas. Non, on continue avec Léon. Sinon, on aurait eu le droit à un crédit et tout, tu vois, je veux dire. Ouais. Franchement, un point positif, peut-être qu'on peut dire, c'est la durée de vie, peut-être, non? Ouais. Parce que ça a l'air d'être assez. Long. Assez long, ouais. Et on a fait qu'une campagne, et on l'a même pas fini. Et il y en a combien? 3, 4? 4. Bon, bah ça déjà, c'est pas mal, ça fera un. Ça y est, on arrive en Chine. Parfait. Ça va, tu tiens le coup? T'aurais dû me dénoncer. T'aurais été blanchi. Peut-être. Mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis, je commence à m'habituer à ta présence. Ça faisait longtemps. Winston, nous avons un problème. Il n'y a plus de pilote. Je répète, nous n'avons plus de pilote. Waouh, c'est pas par là. Oh, le fail. Matsai, il y a une arme au fond. Okay. Je vais voir ce que je peux faire. Un magnum. Oh, attention. Oh, salut. Tu veux me faire un bisou? Magnum. Ouais. Underground. Y'a moyen qu'elle se prenne des coups de Magnum en fait, c'est ça? Fuck you! Oh, j'ai raté ma balle. Allez là! D'accord. Petite séquence dans l'avion. Vite, faut réparer le truc! J'appuie sur un bouton au pif! Léon, Elena, vous me recevez? Non. Y'a un problème avec la. C'est pas vrai! Ouais? On a un problème, l'arrière de l'avion et trouver cette cloche. J'ai une question, Inigan. On a plus de pilote. Ça sert à quoi de réparer l'avion? On le dit, on va quand même se casser. Elle était où l'herbe que t'as prise? Quelle arme? Tu as dit qu'il y avait une herbe? L'arme. Non, ah, l'arme. D'accord. Oh, il y a des balles de Magnum. L'arme. J'ai plus de place. Oh là aussi. Il faut que t'en fasses. Faut que tu fasses de la place, mec. Il y en a pas mal. Ah, ça y est, j'arrive à ouvrir mon menu. Quand on a 200 armes dans l'inventaire, comment on fait pour les choisir plus facilement? Je ne sais pas. Allez, go! J'aime bien sa nouvelle tenue, ça change un peu. Ouais, ah, c'est bizarre quand même. Oh, d'habitude on change pas de tenue. J'ai que toucher. Bonjour, ne paniquez pas, nous sommes armés jusqu'aux dents. Regagnez vos sièges et restez-y. Nous sommes armés jusqu'aux dents, surtout n'ayez pas peur. En avant. T'es où? Je suis là. Ah, t'es là. N'ayez pas peur, nous sommes armés jusqu'aux dents, ce n'est pas important. Bonjour. Mais ne pleurez pas, madame, vous allez juste être zombifié. Dans pas longtemps, ça arrive. Y'a rien ici. Ah, une herbe. Fuck you. T'as plus de passe? Non. J'arrive pas à ouvrir mon inventaire. Aïe. Vas-y, je te couvre. Putain.
Et du coup, avec toutes ces armes et toutes ces munitions, du coup, qu'on accumule, on a plus de place pour les herbes. Eh ben, fuck les grenades, tant pis. Ouais, y a carrément moyen qu'on vire en fait ça. Et pourquoi j'arrive pas? J'aime quand mes touches de clavier ne marchent pas, quoi. Fuck Resident you. Evil fuck style. Fucking clavier de mes couilles. Wow. Ça sent le boss. Ah là, reviens là. On peut pas genre ouvrir 5000. Les manettes des mecs, tu sais, genre t'arrives, tu fais excusez-moi, c'est pour la sécurité nationale. T'as pris là, le truc, le trésor? Ok. Ouais. Alors, une porte en V qui ne nécessite pas d'aide. Mm. Tout va bien. Oui, c'est ça, enfermons-nous. J'aime. Enfermons-nous. Ouais. Oh putain, ça te rappelle pas fais une gaffe, séquence ouais. Resident Evil 5. Tu sais, avec le. Oh, un spray là, il y a un spray là. Ah bah, je peux plus prendre. Alors, attends, bouge pas. Je vais jeter des trucs aussi. Tu sais, avec monsieur Wesker. Ouais. Qu'on se chie la QTE comme pas possible. Ah ouais, carrément quoi. Ah. Tellement magique. Pour bien finir, tu sais, la fin du jeu. Ouais, j'arrive. Ouais, moi, c'est de l'autre côté, c'est ça? Non. C'est une grosse valve. Je ne ferai pas de blague facile. Promis. Je me retiens pourtant. Putain, il suffit de tourner une valve. Et là, bonjour. Ah, j'ai gagné. Allez. Waouh. Ouais, fais gaffe. Pardon, je suis en plein milieu peut-être. Comment on ouvre? Je vais faire un câlin. Tiens, merci. Là, j'ai un espace. Waouh! Viens m'aider. Ah, protège-moi. C'est bon, je la tire. Viens me faire un câlin. Thanks. C'est ça, viens me faire un câlin. Oh, j'ai trouvé un levier. Ouh. Oh putain, comme tu l'as esquivé. Oh putain, oh, on dirait Resident Evil Code Veronica, mec. Ah, je l'ai pas encore fait. Pourtant, je l'ai acheté sur PS2. Oh non. Ouais. Séance de QTE? Clic droit, clic gauche. C'est bon, j'ai pigé. Et tu sens venir le file à un moment? Et voilà. J'appuie sur eux. Elena. Rattrape-moi, je vais en Chine, je me casse. J'avais les doigts sur la touche, quoi. Moi j'ai mis ce clic. C'est triste. Dégage, saleté. Oh, c'est moi ou tiens. C'est moi où tu as quand même foutu un coup de cut. Genre au passage, c'est ouais, gratuit, c'est tu vois. Oh. Ah. Is. Oh. Ah. Is. Alors par contre, j'ai été au taquet. Oh. Pas deux fois. Ah. Ok, j'avais la tête dans le mur, dans le sol. Tout fermé. Fermez le levier. Ouais, là vous allez repartir. Comment ça se fait qu'on se fasse pas emporter là? Ouais, carrément. Please. Quoi. Attends, j'ai une question. Hop. C'est moi ou on vient de balancer une arme biologique qui transforme tout le monde en zombie? Sur la Chine. En pleine Chine. Oui. Oh. Là. Pas mal. Toi t'y vas pas. Toi t'y vas aux pompes. Hein. Mec, il a défoncé la moitié de l'avion avec son pompe. Waouh. Oh merde. Oh, oh non putain. Oh non. Salut. Ouais. Salut. Non. Non. Désolé. Ouah madame. Oh putain. Merde, j'avais le magnum. Alors attendez, petite phase. Je vais voir combien j'ai de munitions de. Ah nickel, ça va. Elles prennent qu'une place. Ah, des bombes télécommandées. Ah non, je peux pas prendre des cartouches. Attends. Bienvenue au pays du headshot. Comment est-ce que vous allez? Bienvenue sur Headshot Airline. Votre compagnie. Pourquoi il achète des bombes télécommandées? Fuck you. Oh là par contre je vise comme une merde. Ouais j'arrive hein. C'est pas facile.
Nous espérons que notre compagnie vous offre un agréable séjour. Sur votre droite. Oh, une herbe verte. Oh, j'ai plus de place. Putain, je m'attendais pas. Ah, je vais recharger mon pompe. Tant pis les bombes. Ah ah ah. Salut. Oh, le pauvre. Oh, le mec il s'est fait. Le mec il s'est fait comboter quoi. Ok, attends, je vais combiner des herbes. Allez, c'est bon, tu me l'as fait pas, réveille-toi. Salope. Ah, on peut pas les foutre dans le. Y'a un maximum pour les herbes, le nombre d'herbes qu'on peut foutre dans la tablette. Je sais pas. Tiens. Oui, bah... Allez, cadeau de la maison. Ah, V. Allez, Léon, passe! Bien joué, Léon! Eh, t'as fait passer ton gros cul, c'est bien! What? Oh putain! Aïe! Oh. Je pense que l'avion est mal en mal. Point. On va finir par sauter en parachute, à mon avis. Voilà pourquoi j'arrive pas à dormir en avion. Merci pour la petite blague. Non, mais avec la tue du rire. Oh, encore un symbole! C'est le même? Oh, ah, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Bonjour, c'est vous les pilotes? Merde! Vous pouvez retourner à vos postes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez retourner à vos postes, s'il vous plaît? Nous oui, avons besoin. Comme tu t'es... Ah, ça c'est pas mal par contre. Aïe, comme tu t'es dévalé les escaliers quoi. Alors, j'espère que t'as ton brevet oui, pilotage sur le bouton. C'est un cauchemar ou quoi? Il y a tout qui est rouge. Comment on fait? En ouvrant la porte, vous avez libéré de la pression et de l'estabilité. Oh mon dieu! Léon. Oh putain, yeah, on est pas arrivé les mecs. Tout va bien. Allez, j'y tout vais. Va bien. Bon, fais m'arriver. Espace. Ok, ça marche. Essaye de repousser. Hop, j'en étais sûr. D'abord, désactive le pilote automatique pour rétablir les commandes manuelles. Ensuite, appuie sur le troisième bouton de la quatrième rangée du panneau. Le troisième bouton de la quatrième rangée. Faut désactiver. Désactive. Désactive. Oh putain merde. Super. Je suis foiré, hein. Je crois. Ah, c'est moi qui fais de la merde mec. Essaye encore. C'est bon. C'est des QT en bois. Et alors, où c'est que je l'incline le manche? Oh putain! Ouais, d'accord, on est mort en fait, c'est moi qui fais de la merde. C'est pas possible, je pense, d'avoir le moins possible d'explications. C'est incompréhensible ce qu'il faut faire. Alors, je t'explique. Maintenant, tu fais un half trick. Tu t'arrives et tu fais un espèce de gros dead. Bref. Je vais essayer de. What? Essaye de repousser ces zombies. Essaye de repousser les zombies, Alrad. Allez, vas-y. Non, je me suis chié, Rad. Je pense que j'ai pas droit à beaucoup d'erreurs. Hein. Essaye encore. Maintenant, tu vas incliner le manche vers la droite. Je suis en train d'incliner le manche, mec. On remonte, on remonte. Je fais quoi? Allez, vas-y. Y'a un zombie. Non, il est mort, t'inquiète, t'es en train de se décomposer. Tu remarques qu'on monte, mais que le truc de pied continue ouais, à descendre. Hein. C'est un peu chelou. Hey là. On s'arrête pas après Dran. Allez.
Oh yeah. Ça, c'est fait. On vient de s'écraser sur une ville. Normal. Et on a vu Ada sur un train. Normal. Oui, tout va bien. Chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en pleine mission. Ouais. On m'a dit que t'étais devenu agent. Qu'est-ce que tu fais là ? Je recherche le responsable, le conseiller de la sécurité, Simmons. Quoi ? Tu dois sûrement faire erreur, je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur ? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il ? Dis-le-moi. Jake ! Laisse-moi gérer ça. Je croyais que t'étais censé éviter les contacts. Tout contact. Léon n'est pas n'importe qui. Il m'a sauvé la vie à Raccoon City. Je vois. Waouh! Bonjour! Chérie et Jake! Bonjour, monsieur! Alors, je suis désolé, je savais pas trop garer mon avion, alors on atterrit ici. Oui, balance des trucs! Vous êtes pas trop d'accord? What? Et voilà, regardez-moi ces trois glands là! Qui c'est le PGM? Et c'est Corbin! C'est pas vrai! Waouh! C'est quoi ce mec? A mon avis, on va savoir. Regarde! Oh putain! Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est gros! Tiens, toi tu touches pas à mon Jack, à mon Jack, à mon Léon. Mec, recule. Tant pis pour toi. Bah j'ai essayé pourtant. Ah, j'ai prévenu. je veux dire, regarde en hauteur. Y'a quoi ? Genre, j'ai vu une espèce de caisse, je l'ai poussée, dans la caisse il y avait des trucs explosifs. Ce type est indestructible, quoi ? Foutons le camp. Donc on est arrivé en Chine, hein, et puis on a rencontré Jake et Sherry, Sherry qu'on avait vu dans Resident Evil 2. Hein. Salut Sherry, t'as grandi depuis ? Elle a bien grandi la cochonne. V. V for victory. 4, cette campagne. Enfin, ce passage. Ça se peut, c'est d'autres joueurs qui sont avec nous. Dans ce cas, ils doivent nous détester parce que j'aurais fait péter la bombe de gaz à la gueule. On est mis en privé. Bon... Oh, je suis avec un autre beau gosse, moi. Ah, ouais, bah, je suis avec Chéri. Hey, il est au-dessus. Ouais, je te rassure, il est. En fait, j'ai l'impression que le allez, Chéri, viens là, je te protège. Ok, c'est pas par là, Chéri, c'est pas par là, regarde. C'est quoi ça? Oh, je peux monter. Hey, Chéri, t'es où? Et t'as vu, il y a des nouvelles caisses dans ce jeu. Oh, encore une caisse d'explosifs. Bon, mais j'espère que vous éclatez parce que nous on s'éclate avec Chéri là. Mais on fait connaissance. Ah, Chéri, il faut monte dans le bus. Oh, attends, j'arrive avec le bus. Qu'est-ce que tu fais avec ce gros sniper dans Attends, avant d'arriver. Faudrait que tu descendes, monsieur Grota, on va l'appeler. Allez, descends. Chéri, viens là. T'arrives en bus là? Oh.
Je suis mort. Ah. Non, je fais semblant. C'est bon. You fail, bro. Bon, ben moi je fais le mécanicien pendant que vous vous battez. Faites je sais pas quoi là-bas. Qu'on galère, tu veux dire. Oh yeah. Ouh. Sans faute. Je prends mon pied, d'accord. Moi je prends pas spécialement mon pied. Wouh. Allez, boum. Attention, ça arrive. Mort de rire. Ça va. L'entrée en scène pas trop. Mais comment il tient le coup? Excellente question. Il y a 4, on va peut-être. Ouais. Ouais. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, non. Il change d'arme. Il en avait marre. Il trimballe une pièce de rechange. Merci, merci Léon. On peut dire qu'il est prévoyant. Ah, le mec il a une bonne mutuelle. Con. Et si on s'en allait? J'avais bien dit, indestructible. Merde. Ah chérie, tiens, crabe avec. Voilà, non. On va pas laisser ton. Tiens, deuxième cramage. Tu veux pas lui foutre un petit cuté? Ah ouais, en cas, je peux faire ça. Eh ben on peut pas. Ok, il l'a envoyé chier. Là mec, si tu veux, j'ai activé un truc pour monter. Là, si tu veux être safe, regarde. Où Mordran? Ah, il est là. Oh, encore une caisse d'explosifs. Viens avec moi. T'as le mec, c'est TP quoi. Oh. Oh fuck. Radeau. Cadeau de la maison. Bah alors, le gros tas, le courant il passe bien entre nous. Ah merde. Je m'attendais pas à ça. Je t'ai perdu quand la tour s'est écrasée. Par contre, ah mon dieu. Par contre, le truc qui est chiant, c'est qu'on a pas eu une sauvegarde dans une checkpoint. Ouais. Bah j'espère qu'on va avoir bientôt. Dirigez-vous votre objectif. Votre objectif? Dirige-vous vers. What? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas vers là. Bon bah du coup on a tué le gros tas, ouais. Ça c'est une bonne chose de faite. À coup de pylône sur ta sauvegarde. Et puis voilà, une sauvegarde. Chérie a dit qu'elle trouvait Simmons. Pour commencer, tu vas devoir traverser le marché. Ouh yeah. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, les amis. Voilà, donc ouais. On est arrivé en Chine. On a battu un gros tas, on a rencontré Chérie. Welcome to China. Et ça va être cool, la prochaine campagne, je pense qu'on Carman va faire personne, un truc nous... comme ça. Boss. Ouais. N'empêche, on a pu voir tes talents de créneau, j'ai envie de dire. T'as vu, mais c'était magnifique. Chéri qui conduisait, donc c'est... Moi, j'ai fait le mécanicien derrière. T'as fait un magnifique créneau dans la tête du machin. Bon, bah, en tout cas, on espère que ça vous a plu, hein. Et puis j'espère qu'on va pas rencontrer des coqs mutants. Puis on verra ça dans le prochain épisode, Adrad. Hein. Merci à toi. Pardon. Allez, salut à tous. Ciao les gens. Le mec il dit même pas au revoir à ses abonnés. Quoi?